Bonjour à toutes, bonjour à tous. La vidéo que vous vous apprêtez à regarder a été tournée dans le cadre d'un projet départemental de Sévrien. Le théâtre, ça se lit aussi. Alors maintenant, nous allons nous pencher sur les dialogues. Comment mettre en voie un dialogue, c'est-à-dire une discussion à deux ou à trois, alors que vous avez 25 ou 30 élèves? Voilà une première possibilité. Vous formez des groupes face au public. Voilà. Chaque groupe est un personnage. Qu'est-ce qu'on fait ce soir? On va chez des amis. Je les connais? Ils ont une fille de ton âge. Je la connais? Non. Alors qu'est-ce que je vais faire là-bas? Tu vas jouer. Avec elle? Oui. Je la connais pas. Justement! Quoi? Tu vas la rencontrer! J'aime pas les filles. S'il te plaît! Je peux rester là. Et puis dis-moi encore! Tu viens avec nous! Et puis tu seras gentil ce soir, d'accord? Tu ne feras pas ton timide. Alors on y est allé et j'ai rencontré la fille en question. Qu'est-ce qu'on fait ce soir? On va chez des amis. Je les connais? Ils ont une fille de ton âge. Je la connais? Non. Alors, qu'est-ce que je vais faire là-bas? Tu vas jouer. Avec elle? Oui. Mais je la connais pas. Justement. Quoi? Tu vas la rencontrer. J'aime pas les filles. S'il te plaît. Je peux rester là. Et puis quoi encore? Tu viens avec nous. Et puis tu seras gentil ce soir, d'accord? Tu ne feras pas ton timide. Alors, on y est allé et j'ai rencontré la fille en question. Donc on a vu dans les exercices précédents que les groupes étaient face au public. On peut changer, on peut mettre deux groupes face à face. Donc chaque groupe est toujours un personnage. Ça fonctionne par duo. Un premier lecteur commence, la réplique vient d'en face et ça change, ainsi de suite. Ça peut descendre jusqu'au bout, remonter, comme vous le verrez dans l'exemple qui suit. Qu'est-ce que tu veux, Minus? L'autre jour, à la sortie de l'école, je t'ai vu. Bon, ben c'est bien, tu m'as vu, tant mieux. Et tu veux ma photo? Non? Alors dégage, Minus. En fait, savoir... Quoi? Tu voulais savoir quoi? C'était qui? Qui? Le garçon? Quel garçon? Celui avec qui t'étais? Tu me surveilles ou quoi? Non, simplement, je voulais savoir. Un copain. Un copain? Ouais. Et pourquoi tu lui tenais la main? Je t'en pose, moi, des questions. C'est ton petit copain. Qu'est-ce que ça peut bien te faire? Je demande, c'est tout. Ma curiosité est un vilain défaut. Donc, c'est ton petit copain. Tu me lâches, c'est pas tes oignons, d'accord?